Bonjour à toutes et à tous, c'est Mika et Boubi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la dimension Aether. La dernière fois, je vous avais laissé, après avoir farmé du coup les cochons et après avoir adopté les cochons, après avoir vu la mort épique de Boubi et après avoir adopté un moa. Nous avons avancé un petit peu de notre côté entre les deux épisodes, quoi. Et on a récupéré de quoi crafter une selle pour monter un moa. Du coup, le moa que Booby a adopté, du coup, c'est le moa de Booby, hein, finalement. Parce que le mien, comme je vous le rappelle, n'a pas pop. Parce que, en fait, il s'avère qu'il y a une chance sur je sais pas combien qu'un moa ne spawn pas quand on fait éclore un œuf. Le moa, il prend des dégâts là, ce con. Ouais, il s'est fait toucher par un mauvais Mais champ. ils attaquent? Ils attaquent leurs congénères, ils sont racistes. On va faire une forteresse anti-moi méchant. Attends, regarde, il est en train de pisser le sang. T'imagines, il meurt ton enfant? Bref, voilà. Mais ça. Du coup, ça lui fait une selle qui est custom, on dirait. Alors, je vais conduire le moi en attendant. Et il a perdu plein de dégâts, hein. Plein de vie, hein. Ah, il faut une double porte. Le moa congénère, il lui a fait enlever plein de vie. Donc là, vous voyez, je suis en train de piloter. Enfin, piloter. Pff, je me suis cru dans un avion. Je suis en train de conduire un... Non, de chevaucher. Non. De moacher. Enfin, je sais pas. Un moa. Non, c'est vrai, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Et vous voyez, on peut planer. C'est un petit peu comme les cochons, mais ça vole moins haut. Alors, ah ouais, regardez, on peut voler avec les feuilles, enfin les plumes qu'il y a au-dessus là. On peut volter, on peut donner des petits coups d'aile pour s'envoler. C'est pas mal. Pourquoi pas? Est-ce que après c'est mieux que le port? Je sais pas, ça reste à voir, mais voilà, on peut quand même planer et voler avec. Alors que le cochon, on peut juste planer. Voilà, c'est pas mal. Je te le rends, c'est le tien quand même. Si tu spammes en fait la barre espace pour sauter là, tu voles avec, tu vois. Tu donnes des coups d'aile. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors vite dans cet épisode, nous allons regarder les succès qui nous restent à faire. Donc on a déjà fait tout ce qu'il y a en... tout ce qu'il y avait de secondaire. Et maintenant on va faire les quêtes principales qui est donc débloquer le temple d'argent. De bronze, pardon, le temple d'argent. Et il y aurait aussi un temple d'or, de ce qu'on a compris. Parce que quand on va dans l'inventaire et qu'on marque clé, vous avez, regardez, vous avez la clé d'or. Et cette clé d'or doit certainement être débloquable avec le temple en or. Donc on va chercher un temple en argent, en bronze, pardon, on va commencer par le bronze. Et on vous retrouve donc devant. Ok, du coup les gars, on a trouvé un donjon d'argent, de bronze, pardon, je vais arrêter de confondre les deux. Il était à l'endroit où on a miné juste en dessous de chez nous, donc voilà, on va l'explorer ensemble. Booby connaît assez bien. Alors bon, la déco reste sympa. Ah, nous avons un truc qui explose visiblement. What? Attends, c'est quoi ce délire? Mais arrête de rigoler. Mais wesh! Attends, c'est des pièges? Attends, je crois qu'il faut plus marcher là. C'est ça qui actionne ça? Non, c'est la déco ça. C'est quoi qui actionne les trucs là? Vas-y, je te laisse avancer. Ça se voit, il y a un piège. Bon bref, il y a un coffre ici, on va l'ouvrir. On va voir ce qui cache. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi cette merde? Putain, mais il a combien de dégâts? Heureusement qu'on a une bonne armure, tu vois. Ah, du coup, il m'a drop le coffre. D'ailleurs, le En gros, coffre. t'as une chance que les coffres se transforment en monstres. Oh putain, d'accord. Oh là là. Putain, c'est grand en vrai, hein. Je pense qu'on va faire de la gauche vers la droite. Ah, j'ai eu une cape de suée. Alors. Tu peux essayer d'équiper pour voir ce qu'elle fait.
et le disque 4. Alors la cape de suée, ça doit certainement se mettre ici, dans ce truc-là. Par contre, j'en ai aucune idée de ce que ça fait. Mais apparemment, je la porte sur moi. Ouais, voilà, vous voyez. Sur mon dos. Bon, on verra bien. C'est peut-être décoratif, hein, tout simplement. Hein. Ici. Ah, oh, regarde, une épée en zanite. Alors, Pas est-ce mal. qu'elle est bien ou pas? Non, 4 points d'attaque. Ah ouais, elle est pas ouf. Mais on la prend, on sait jamais. Et j'ai des torches pour vous éclairer parce que j'ai oublié d'en prendre. Pratique. Ensuite, ici. Ah, voilà, important, il y a de la gravitite. Et une Toujours retenue, important. le don. Incroyable. Et ici, nous avons un monsieur coffre. Ça, c'est satisfaisant quand même. Hein. Hop, de l'envoyer en l'air. Voilà, donc là, c'est bon, on a tout fouillé. On va faire le côté droit et après, on va faire le centre. Parce que le centre, ça débloque un truc. Ah non, mais il y a ce côté-là aussi. Ah. Le flop. T'es sûr que c'est un temple de bronze, ça? Comment tu reconnais? Oh, je connais juste. Ah, t'as l'habitude. Alors ça, c'est un moi énervé, là. Waouh. Ils sont chiants, hein. C'est embêtant. Attends, on va juste régénérer un peu. Alors, la salle du boss est à droite ou devant? Ok, alors on va aller tout droit. Attends, on va aller... Attends, on vient d'où, nous? Oh, on vient de là-bas. Mais là-bas, il n'y a rien, alors? J'ai pas l'impression. Ah, bah alors, Allez. ok, bah, on va pouvoir commencer, du coup. Bah, le boss. Apparemment, ça, c'est le boss. C'est quoi, Vas-y, ça peut c'est... taper. C'est le cube... Comment ça s'appelle, là? C'est quoi, ça? Peut-être que je dois l'attaquer avec une pioche. Ah! Waouh! Et voilà. Et là, il faut attaquer avec la pioche tout le long? C'est ça. Mais c'est trop dur. Ah, il est en train de me baiser, hein, le con. Hein. Essaye de t'enlever de tout ce qui est mort. Alors, il prend très peu de dégâts. Et en plus, il m'aggro moi et pas toi. Hein. Et wesh! Ah, vaut mieux spam click, non? Peut-être, je sais pas. Ça, je pourrais pas te dire. Ça fait quoi avec l'arc? Ah, l'arc il prend pas de dégâts. Rien du tout, j'ai l'impression. Tu prends des dégâts au moins? Ah oui, là je suis mid-life, hein. T'en as pris toi? Non, ce qui m'attaque pas. Ah, mais y'a que moi qui m'attaque en fait, hein, parce que j'ai donné un coup de pioche, j'étais pas content. En fait, je suis le. Je suis la victime du truc là, je suis l'appât. Attends, il me reste 4. Attends, il me reste 4 coeurs. J'ai l'impression que je peux quand même l'arrêter en me mettant devant. Je me prends 4 coeurs. Ah, ok, c'est bon, ça régène, ça régène. Il fait mal hein, un peu, hein. Bah c'est un boss, hein. Ah, bah là. Pas déçu, tu passes. C'est juste un gros carré. Ah, il est rouge maintenant. Il passe en mode vénère. Attends, il me reste 4 coeurs. Oh putain! Bon, j'essaie de tank un peu. Ah! C'est bon, je vais mourir. Oh, je tank un peu, je tank un peu. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah! On l'a eu! Ah bah j'ai eu la clé! La clé de bronze, du coup, t'avais raison. Voilà. D'accord. Donc là, si je vais sur L. Bah, j'ai battu le boss et ça me l'a pas la validé, tu vois. Ah, c'est J'ai bizarre. l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a eu, c'est peut-être moi qui ai donné le dernier coup. Oh, tu crois? En refaire un. Hein. Bah non, parce que j'ai eu le succès aussi, il est apparu dans mon truc. Peut-être qu'il a pas été mis à jour. Et là, voilà. Donc là, vous avez le coffre. Ah, d'accord, ça ouvre ça. Et là, t'as beaucoup de choses. Alors, nous avons des couteaux foudroyants. Sais pas à quoi ça sert. Le marteau de quoi? De Notch? Ah, c'est le gars de Minecraft. Bouclier répulsif. L'arc du phénix. Ah! Et l'épée flamboyante.
Est-ce qu'elle a, elle a Fire Aspect? Elle fait 7 Je points pense. d'attaque, elle est aussi forte que celle que j'ai actuellement, donc pourquoi pas? On peut la tester un petit peu. Et le bouclier, alors ça m'intéresse. L'arc du phénix, il a quoi de particulier? Bah, faudra que tu testes. On va tester ça. Si tu testes, vas-y. On va tester ça sur lui là-bas. Ah, ça brûle le moi. Et vas-y, teste les couteaux là. Alors les couteaux maintenant. Alors j'ai le marteau de notch aussi, hein. Alors les couteaux. Ah ouais. Ça c'est bien vénère. Tiens, je t'en passe la moitié. Obligé. C'est quoi ça, le dard enchanté d'ailleurs? J'ai pas regardé ce que c'était. Je crois qu'il faut une sarbacane pour le lancer. Ça te fait rien. Marteau de notch. On va essayer le marteau de notch et l'épée du phénix. Qui doit certainement avoir Fire Aspect. Alors on va s'amuser un petit peu avec les Mohas là. Alors le marteau de notch. On va essayer sur lui, tiens. Ça va pas faire grand chose. Si j'essaie sur lui, ça fait quoi? Merde. Ouais. Et l'épée flamboyante, c'est Fire Aspect. Ok. Alors le bouclier, on va essayer. Ah, il a disparu. What? Ah, ça me l'a équipé en fait. Ça me l'a équipé dans mon inventaire. Ah, mais ça, regarde, ça m'entoure de bleu. Moi je vois pas. Tu vois pas? Attends. Il y a un bruit quand je m'approche de toi. J'ai une Ouais. genre d'aura. Ah mais attends. Pourquoi il y a eu des bouées? Oh, attends, Pareil. regarde. Attends, regarde, j'ai essayé de me prendre une flèche. Ah non, ça me protège pas du tout. Je croyais que ça me protégeait, mais en fait, pas du tout. D'avoir un effet quelconque. Je sais pas, ça m'a fait une aura bizarre. Ah, moi, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était le bâton de la nature qui se fabrique avec ça. Alors, et Ah, Astro. nature staff et close staff. Ouais, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que le bâton de la nature. Alors, on va essayer ça. Non, c'est juste moi, je suis un peu débile. Voilà, bâton de la nature. Ouais. Regarde, c'est ce machin-là. Ouais, ça fait quoi? Vas-y, essaye sûrement. Pire. Fais clic 3, je sais pas. Alors. Oh! Ça attire les mobs. Regarde le. Ça attire les mobs. Je crois, hein. Ça attire ou pas? Vas-y, reprends-le. Remets-toi vers là. Ouais, ça l'attire. Attends, essaye de bouger avec. Bizarre. Ah oui. Ah si, on... Ah oui, il me colle le cul là. Oh, tu es amoureux de moi? D'accord, j'ai compris. Ok, ça doit servir à ça, sert à ça. Ça fait pareil au port? je pense. Hein. Non, alors non, c'est pas le bon bouton. Ça marche comment, moi? Tiens. Je sais pas à quoi ça sert. Je vais essayer de Et chercher. ça, c'est pierre de guérison. C'est certainement pour guérir. Est-ce que ce serait pas genre si on meurt, ça nous ressuscite? J'en ai pas la moindre idée. Ah, Ah, ok. ça se mange! Oui, en fait, quand tu le manges, ça donne régénération et absorption pendant 2 minutes. D'accord, c'est Une une pomme pomme d'or. d'or. Une pomme Voilà. d'or. D'accord, on a une pomme d'or. Pourquoi pas pour les boss? Et ça, je crois que ça marche que pour les mois, parce que. Oh putain, merde. Bah écoute, au pire on part là, c'est bon, t'as de la bouffe. Non, j'ai pas tout cuit, merde. T'as Attends, combien? il me reste 7 trucs à cuire. Ah, il a pondu un œuf le mois, attends. Ah ouais? Il y a peut-être Vas-y, moyen que essaye je de. fasse un deuxième bébé. Essaye de faire le tien. Au pire, prends mon incubateur, on sait que le mien il est sécure.
On verra bien ce que ça donne, les gars. Faut peut-être faire un petit peu plus de torches. Non, là c'est bon, une, je crois que ça suffit. J'ai l'impression que ça va être bon. Ah, ok, Mika. Je viens Oui. d'aller voir ce qu'elle fait ta cape. Ma cape. Ouais, ta cape. Que Quand fait tu ma la portes, cape? à ce qu'il paraît, les slimes ils t'attaquent plus. Les slimes bleus. Ah ouais, on va voir ça. Tiens, toi là. Tu tombes bien. Ah voilà, il t'attaque plus. Oh putain. Oh putain. T'as la balle qui tombe, Oh non. putain. Oh putain. Tu sais là, là j'ai l'impression de vivre la libération de tu sais la libération de l'esclavage ou genre là j'ai l'impression genre je viens de me libérer d'un truc là, genre t'imagines si je pouvais me libérer de tous les monstres, genre de lui, du jaune. Ah, les jaunes ils m'attaquent par contre, hein. De lui C'est que les là, bleus. lui là, Bah, j'aimerais bien me libérer de lui là. techniquement, si on a la cape d'invisibilité, plus aucun mob te verra. Il nous faut ça. Mais c'est ce qu'il nous faut, ma belle. Bon. La bouffe doit être cuite. On a dû bien cuire. On va aller en profiter pour aller chercher le donjon de bronze. Ah, Ouais. bah, frérot, ça suffisait pas les torches, je crois, ça s'est arrêté. Ça recommence tout. Oh, fuck. Pire, on Désolé. le laisse cuire. Attends, au pire, on le fera cuire après. Ouais, ça sera pour le prochain épisode, vous aurez un nouveau Moa. Sauf s'il spawn pas, enfin on verra bien. Vous verrez par vous-même et le changement. Là, on va aller chercher donc le donjon d'argent. Et on vous retrouve juste après. Là, je pense qu'on est mort. Putain, mais non, mais Ah, voilà, mais... là. Attends, je vais me rattraper sur un nuage. Attends, passe. Ah bah ça refreeze. Putain, ça frise deux fois. Fuck Aternos, hein. Franchement, fuck Aternos. Fuck C'est bon, j'ai réussi. Aternos. Et Putain, là, on je doit pense qu'on peut directement recommencer. remonter là-haut. Non, t'inquiète, je pense qu'on peut remonter là-haut. Ah, mais il y a un donjon là-bas. Ah, bah, il y a un donjon de Non, bronze. mais... Ah, c'est pour ça que ça a lagué, je pense. Ça l'a chargé. Ok, les gars, on l'a trouvé, mais on a eu un putain de lag parce qu'il a chargé et qu'on est sur Aternos et qu'on est des clochards. Donc, on va y aller. Hein. Voilà. C'est bon, hein? Oui. Ah, bah, putain. Ah, Quelle il faut qu'on aille légende. de l'autre côté. On s'en fout, déjà on y est. Allez, on va de l'autre côté. Aïe 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 aïe, oui, c'est bon. C'est vraiment beau, par contre les colonnes je vais les prendre, hein. Attends, dès qu'on finit le donjon, je démantèle tout ça et je le reconstruis chez nous, hein. Ou Et alors bah, on... je pense qu'on laisse les cochons là, non? Ou alors on peut mettre carrément notre maison ici quand on aura terminé. Hein. Possible. Est-ce qu'on est malade? Allez, on peut commencer. Ok, alors le donjon d'argent, les amis, nous y sommes enfin. Est-ce que c'est un coffre méchant? Et oui, quelle surprise! Un double coffre, tu Voilà. penses que ça va être méchant? Moi, j'y pense pas. Ah bah si! Un double coffre méchant! Ah, je m'attendais à un super cadeau et... Ah, Là, je l'ai les pas. escaliers, on réserve peut-être ça pour après. Ouais, on fait le rez-de-chaussée. Ici, Et encore il un n'y a coffre. rien. Ici, il y a encore un putain de coffre méchant. La chance en tout cas. Ouais, j'aimerais bien avoir un trésor, mais... Mais putain! Ils sont tous Ah, ratés, j'ai eu ces quelque chose qui va trucs. te plaire. Vas-y, va voir. Ah, la sarbacane! Et il y a un œuf de mois blanc, si tu veux. Ah, il y a 9 de mois blancs. Ben voilà, on a des mois... Les petites torches qui font plaisir. Ok, bon, très bien. Ok. Ben, je crois qu'on a fini le rez-de-chaussée. C'est sympa les petites explorations de ces petits donjons là. Oula, bonjour. Oh putain, merde. Attends. Ah! Tape. Est-ce qu'elle est gentille ou est-ce qu'elle est méchante? C'est quoi ça? C'est un ange? Ah, il y a un stuff de Zanit. Au pire, on peut la tuer. Au pire, on peut les tuer. Attends, je finis mon truc. Ok. On finit d'explorer de l'étage et après on les tue. Hein. Ouais. Mais c'est des gens, c'est quoi? C'est des Valkyries. Ah, c'est des Valkyries, ça?
Elle ressemble pas du tout aux meufs dans l'anime. Hein. Waouh, putain, madame, pardon. Vas-y, on est gentil. Non, ça serait pas de taper. Crois que si on attaque une Valkyrie, elle nous attaque? Je pense. Oh, j'ai un œuf de moi bleu. Ça doit être Bleu. super rare. Ouais. J'avoue. Et j'ai un saut de poison machin là. C'est pour faire une sarbacane empoisonnée. Ah, on va faire ça après. Et des bottes en zanit. Ouais, ben on les prend, mais bon. On n'en a pas trop besoin. Putain, mais elle spawn partout, c'est folle. On Ah mais explore tout, hein. il est big le donjon. J'avoue. Ici, il y a quoi? Il y a un saut de Skyroot. Et encore un œuf de moi blanc. Ouais. Je le prends. On va se faire un élevage de moa. Waouh. Surprenant. Je crois pas. Eh mais elle, je vais finir par les taper un jour. Hein. Elle me colle le cul. Hein. Ici. Ah! Oh. Pendentif en or. Et une Prends-le. sarbacane pour moi. Let's go. Pioche en zanite. Ok, prends-en une si tu veux. Pendentif en or, ça sert à quoi ça? Si je le mets dans la glace, ça peut me faire un pendentif de glace. Bon, après, est-ce que c'est utile ou pas? Je sais pas. On va le mettre, on verra ce que ça donne. Est-ce que ça me fait un effet sur moi supplémentaire? J'ai pas l'impression. On verra ça après pour ça. Bobby qui se fait agresser par des coffres. Ah, j'ai l'impression qu'il faut aller là, ça descend, mais on n'est jamais allé là. Attends, il y a encore des coffres ici. Ah si, on a déjà fouillé tout ça. Ok. On descend là? On vient d'ici, mais là-bas ça descend. Ah, ça descend là-bas? Ça monte plus. Non, ça redescend. Ah oui, ça descend bien. Ouh là là. Une salle de trône. Allez, go, vas-y, on y va. C'est la boss, elle? Mais attends, Attends, elle est viens, on va lui gentille. parler déjà. Parle-lui. Eh, salut. Ah, mais elle parle! Ah! Reine des Valkyries, que peux-tu me dire à propos de cet endroit? Ah oui, je veux me battre Vas-y. avec toi. Vessi, c'est un sanctuaire pour les Valkyries. Pour qu'elles restent cachées et se reposer. Ah, et si on veut se battre contre elle? Bah, je crois qu'il faut dire que tu veux te fight. Très bien, rapporte-moi 10 médailles de mes subordonnés pour me prouver que tu en vaux la peine. Alors nous aviserons. On doit tuer des Valkyries en gros. Mais c'est une connasse, elle. C'est une connasse. J'avoue que c'est Genre la décide mon meuf, clan. elle Si je génocide mon clan, t'auras le droit de me battre. C'est quoi cette putain? Je reviendrai quand je les prendrai. Ok, on doit buter. Ok, on doit buter tes collègues et on revient. Okay. Attends, je rigole 2 secondes. Bon, ok. C'est pas mal. Elle est sympa, Grosse ambiance en tout cas. bon, ben, on va buter ses copines. Est-ce qu'elles sont fortes? Après, c'est ça la question. Tu vas connaître en fait. Tu vas le regretter, elle me dit. C'est bien, moi, elle me parle en français, cette pute. Attends, tiens. Ah non, c'est les Victory Medal. C'est ce qu'il faut lui apporter. Ouh, d'accord, voilà une médaille, ok. Oh, ça va, elles sont pas nulles, hein. Elles sont un peu nulles. Par contre, la chef des Un peu. Valkyries, elle m'a l'air vénère un peu, hein. Elles font mal quand même. Ok, ça m'en fait 3. Ça va, on va les cuisiner, là. Sa cuisine. Ah, les gens, ils vont être tellement tristes dans la vidéo, ils vont se dire, putain, on tue des femmes et tout. Les pauvres petites Valkyries, elles sont trop belles en plus. Expose mes camisochines. Ça me fait de la peine. Ah, ta gueule. Ça me fait de la peine, elles sont toutes mignonnes. Tu vas le regretter. Y a combien de médailles? 5. Ah, bah nous sommes en 3. Ça. Bon, on en a 8 quoi. Il en reste plus une dans cet étage?
que je suis en train d'en fight une. Ton feu il s'arrête pas. Le feu de ton épée il s'arrête pas. Ah ouais? Je crois pas. Ah, j'ai pas vu ma vie, mais j'en ai plus de vie. Vas-y go, c'est bon. Attends, je régène un petit peu avant de m'abattre, moi, trop. J'ai plus qu'une bouffe, par contre. T'en as? Déjà, tiens, j'ai plein de ça. Ah, si, merci. Ça te va ou je t'en donne encore? Bon, oh, t'inquiète, ça devrait aller. J'ai encore 10 pommes à te donner. Allez, go. Non, c'est celle-là d'entrée? Ouais. Ouais, c'est celle-là. Voilà, on a buté tes petites copines, c'est bon. Attends, mais du coup, tiens, je pense qu'il faut utiliser toutes. Ah. Attends, bute le nuage de merde, là. Merci, au revoir. Bonjour, madame, nous avons défoncé toutes vos petites copines. On va se battre avec toi. Voici les médailles. Ah. Maintenant, commençons. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare à se battre. Je crois. Madame? Vous allez bien? Madame? Bah alors? Ah ok, il fallait taper. Ok, c'est bon. C'est pareil, frère. Ah, se téléporte. Regarde à toi. Ah! Ah, stylé, j'aime bien le combat. Mais elle prend pas de dégâts, j'ai l'impression, là. Si, elle en prend un peu. Ok, ça va. Madame, je veux ton aile. Elle est nulle, hein. Franchement, le boss du bronze, il était beaucoup plus fort. Hein. Je trouve qu'elle est pas très forte. Putain, même ses copines, elles m'ont fait plus chier que elle. Après, j'ai une pomme en or aussi, hein. Si jamais. Enfin, pas une pomme en or, mais l'équivalent, là. On pourra peut-être l'essayer si on veut trop. Alors, madame? Elle est midlife déjà. Et. Ok. Allez, on descend, madame. On descend. Allez. Oh. Elle est là. Vraiment, c'est une folle, elle m'a fait trop rire. Ouais. Tu es mes 10 copines après. Après, on pourra en parler. Vraiment. Oh. Ah. Après c'est cool de mettre des petits boss comme ça sur Minecraft, ça change que du dragon à chaque fois. Ouais, ouais c'est vrai. C'est cool. Ça qui est cool avec le côté. Ah, il y a une deuxième phase? Non, je sais pas. Elle a lancé. Non, c'est moi qui ai lancé. C'est moi qui ai lancé. Ah. Ah oui, on peut utiliser ces armes-là. Ah non, je les ai posées dans le coffre. Ah, attends, elle lance des trucs. Ah, c'est sa deuxième phase. C'est quoi cette merde? C'est le taper. On va la focus. Ouais, quand tu tapes, ça fait spawn un éclair. Oula, il me reste 3 coeurs. Attention quand même, elle fait un peu mal. Hein. Ah. Ah. Ah, voilà. Bah, le deuxième n'est plus en or. Du coup, c'est encore toi qui a fait le dernier. Le dernier coup. Du coup, j'ai pas eu le succès. Mais c'est pas grave. Elle donne pas de nourriture, tes pommes. Ah. Bah, tiens alors. Merci. On a maintenant, du coup, récupéré la clé de bronze. Je voulais juste récupérer avant. Sa laine. Je sais, ça paraît con, mais c'est peut-être très très chill. Et en vrai, je me tâte à vivre ici. Est-ce que les gens dans les commentaires, ça vous intéresserait qu'on raménage cette structure pour en faire notre maison? Ça peut être une bonne idée, je pense. Et dans le coffre, nous avons oh, deux épées foudroyantes. Bah, tu peux en prendre une, hein. Une cape de Valkyrie. Un truc de Guimauve, je sais pas ce que c'est. Et une épée sainte.
Alors, sortons pour voir ça. Ah voilà, ça le fout droit. J'ai buté mon cochon avec un éclair? T'as récupéré la selle, non? Non? What? Ah. Force. Non, mais ça va quoi, faut pas déconner. Oh, j'ai lancé les éclairs sur l'autre en face, pas sur toi, cochon de merde. L'épée sainte, en gros, si j'ai bien lu, ça fait plus de dégâts sur les ennemis qui sont morts. Sur les ennemis qui sont morts? Enfin, les morts vivants, là, tu sais. Ah. Et la cape de Valkyrie, ça fait que tu peux fly pendant un petit moment et tu te prends pas de dégâts de chute. Alors, il y avait aussi ça qu'on pouvait faire. Alors, il suffit que je prenne ça et ça. Et ça me fait un lance d'art de poison. Ah, d'accord. Ah, mais tu me donnes l'effet de Voilà. merde. Putain. Ah, c'est pratique ça, voyez-vous cela? Ça te donne un effet d'art de combien de secondes? 25. Ah, quel plaisir. Ah, il y a un mot à blanc à ce pop. Salut toi. Alors toi, je vais t'appeler Michel. Il me faudrait mon bâton de la nature. Ah, le bleu aussi, la pop. Incroyable. C'est une chaîne d'or que t'as, c'est ça? Ah, le bleu est magnifique par contre, hein, et La chaîne d'or, c'est juste un accessoire. La chaîne de Zanit, elle améliore la vitesse de destruction des blocs. Re les gens, du coup, on a farmé les mots à bleu. Regardez, le bleu, il est trop beau. Le blanc, il est joli aussi, mais je préfère le noir et le bleu quand même. On a aussi cherché les sels, enfin, cherché des vaches, tout ça, enfin, des sels. Voici une petite laisse pour monsieur, une autre pour monsieur, ou madame d'ailleurs, on connaît pas leur sexe. Pendant que Booby se fait attaquer encore, toujours par les slimes. Pendant que moi je suis tranquille, et j'ai envie de prendre mon moa, comme on a perdu un cochon. Et par contre, il vole moins haut que. Ah, je suis déçu. Le noir en fait, il est mieux que les autres. Ils ont plus de plumes. J'ai pensé à random. Ouais, c'est comme les chevaux ça. Alors on va prendre les moas et on va aller du coup au donjon d'or. Alors fais attention à ça, tu viens de buter ton moa, tu vois. Très intelligent, Bobby. Très intelligent. Très intelligent quand même. Voilà. Heureusement ah, qu'on a deux moas, mais voilà, c'est. Catastrophique. Je t'ai dit, cette épée d'éclair, elle est horrible. Elle bute tes montures. Alors, le temple en or se situe juste en haut à droite de la de la caméra. J'ai un problème de gorge. Ça passe pas. Est-ce que ça passe? Ça, non, ça passerait pas. Si on avait le moa noir, tu vois, ça aurait pu passer. Mais voilà, Booby a tué le moa noir. Tout le monde déteste Booby, encore une fois. Épisode 2. Merci Booby. Hein. Heureusement que t'es là. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de truc, c'est exactement le boss. Ok. Donc, nous sommes arrivés dans le donjon en or. Il n'y a pas trop de donjon. Ah, oui, d'accord, c'est ça le boss? J'ai bien l'impression. Hein. Oui, ben, c'est sûr que. Alors, monsieur. Monsieur. Oh, ben, il est gentil. Hé. Il me pisse sur la tête. Il me fait une golden shower. Et le message dans le chat? Bah. Je l'ai brûlé. Clique droit dessus. Par humain, tu n'as rien à faire ici. Bah. Ta présence me dérange. Sais-tu mon aura. Sens-tu mon aura ardente? Non. T'as le pseudo, s'il te plaît? Je crois que ça s'éteint pas son feu encore. Non!
Ah, on est dans le Nether, quoi. Oh non! Incarnation de la journée éternelle de l'Aether, tant que je suis en vie, le soleil ne se couchera pas de ce monde. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il fait toujours jour. Ne m'insulte pas plus, plus où tu ressentiras ma colère. Ceci est ton dernier avertissement. Laisse-moi ou prépare-toi à mourir. Allez, allez. Attaque-moi! Ah, c'est bon. Comme tu le souhaites, la mort sera lente et douloureuse. Ben, moi, la tienne sera rapide et fulgurante. Voilà, tu vois. Putain, merci. Et ben voilà les amis, on l'a terminé. C'est quoi ce bloc? Et on a eu la clé en or. Ah, c'est le Sun Altar. On pourra mettre la nuit. Ah, d'accord, intéressant, intéressant. Alors la clé en or. Alors, conclusion, c'est le boss le plus cher du jeu, hein, clairement. Alors. Vampire Blade, Phoenix Breaking. Oh, épée de vampire, bulle de fer, casque en gravitite, et ça, c'est les jambières du phénix. 6 points d'armure. Attends. Je pense que la vampire, c'est que ça doit te redonner de la vie quand tu tapes. Bonjour. On peut tester, vas-y, attends, Ron. Dis-moi quand t'as perdu de la vie, hein. Ouais, je perds de la vie là. Vas-y, essaie de me taper avec la vampire. Moi? Ouais. La vampire play. Tu reprends de la vie, non? Ah oui, t'as raison. Effectivement. Ah oui, du coup, ça m'a débloqué le ça m'a débloqué le succès de la clé en or, mais ça m'a pas débloqué les deux autres succès. Ah, moi aussi j'ai le succès de la clé en or. Mais du coup, ça m'a débloqué. Oh. Bon, c'est pas grave. Au pire, tu dégiveras les achievements. Non, même pas. De toute façon, on l'a fait en vidéo, il y a une preuve. Attends, et du coup, il y a le Sun Altar qu'on peut poser au pire. On l'a fait ensemble. Alors, Bobby vient de poser le Sun Altar. The sun is still moving to its correct position. Ça veut dire quoi ça? Regardez les gens, il commence à faire nuit. Depuis qu'on a tué le boss. Ouais, le cycle revient à la normale depuis qu'on a tué le boss. Ah oui, regardez, la lune se lève. Oh, c'est beau la nuit, hein. J'aime beaucoup. Eh bien, les amis, c'est sur ce petit plan de nuit que nous nous laissons avec le clair de lune au-dessus de notre tête pour cet épisode. Donc, on a fini les progrès du jeu, on a tout fait, tout ce qu'on pouvait faire. Et donc la prochaine fois, on se retrouve pour un épisode spécial créatif où on va faire un petit peu de décoration, utiliser les blocs que propose le mode. Voilà. Et voilà, je vous dis à bientôt et au revoir pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao.